Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je me suis mis temporairement en fait dans cette zone, c'était pas pour rien, tout simplement je voulais un petit peu explorer certains territoires, donc je pense que le mieux maintenant c'est qu'on voit un petit peu sur la carte où est-ce que je me trouve. Je pense que franchement je suis pas trop loin de quelque chose de très intéressant, donc je pense que je vais viser cet objectif pour l'instant et après on essaiera de faire l'autre. Attendez, je regarde si je suis pas trop loin en fait de la zone. Donc moi je me trouve ici à la casse, je vais essayer de faire un tour à l'aéroport. Donc j'ai tout simplement un petit peu perfectionné mes armes, entre parenthèses, c'est-à-dire que vraiment très 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 doucement, on va pas non plus s'emballer, j'ai pu faire quelques légères mais vraiment microscopiques améliorations, parce qu'en fait j'ai pas débloqué encore la compétence nécessaire pour pouvoir me forger des armes un peu plus puissantes. Parce qu'on m'a expliqué clairement que dans ce jeu-là, c'est pas parce que tu vas faire des kills que tu vas XP plus facilement. Ah tiens, j'apparais, c'est plutôt sympa. Attends, faut recharger cette arme. Bah viens m'arracher les tripes. Faut faire vraiment attention parce que moi mon robot j'espère qu'il est très efficace. Ah il a pris une égratignure. Par contre s'il vient vers moi je suis mort. Hein. Il est lourdement armé en fait comme vous pouvez constater. Waouh c'est quoi ce monsieur avec un lance-flamme? Il est pas sérieux quand même. Non oh là là, oh là là, oh là là. Il y a beaucoup de mecs là-bas en fait. Hein. Bah c'est bien d'apparaître en fait dans l'île des Gollums. Il les a pétés? Ou c'est mon robot qui est mort? Oh. Waouh, dans quoi je me suis embarqué, moi? Ah ouais, mais pour le tuer, bonne chance, hein. Il a un laser bien spécial. Heureusement que mon robot est là pour pouvoir m'aider. Eh, mais je pense qu'on va être dans la merde, hein. Et même si je suis très bon, on va dire, au niveau du tir, c'est pas pour autant que je vais m'en sortir, hein. Je te le dis, moi. Faut pas oublier que Body est un poissard. Merde, il commence à venir vers moi. Ah mon dieu, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. J'ai peut-être une petite issue favorable à notre petit duel avec le monsieur. C'est qu'il est là-bas. Ah non, en fait, il a fait le tour. Non, moi je me bats pas. Entendu, il m'a dit viens te battre, lâche. Donc je vais être plus malin que lui, en fait. Vous inquiétez pas, je veux le tuer. Je te le jure, je veux le tuer. J'ai juré, mais non, j'ai pas le choix. En plus, je jure jamais, mais alors là... J'ai dit que je vais te tuer. Ma maman, elle m'a dit que si je tue beaucoup d'ennemis, elle sera contente de me voir jouer. Non, je rigole, j'ai que de la merde. Bon, c'est bon, on l'a exécuté, mais il en reste un deuxième quelque part. Donc, je pense que le mieux, c'est que je ramasse un peu son arme légendaire. Il a quoi d'intéressant? Oh, c'est quoi ces trucs de ouf? Regarde les jambes. Waouh. Bien sûr, je la prends. Ouais, je prends tout, en fait, hein, sur lui. Je vais rapidement m'équiper parce qu'il y a un autre petit copain en fait qui est positionné là-bas, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, tenue, je pense que ça va faire vraiment vous faire plaisir. Donc là, je gagne un petit peu en radiation, je gagne pas plus que ça, mon compteur GGR est plutôt correct. On va prendre le casque pour l'instant, le casque militaire. Ça change un peu quand même, la différence elle est flagrante. Hein. Alors masque à gaz, ça c'est plutôt dans les zones de radiation. Ça, c'est le truc qu'on vient de débloquer à l'instant. Ouais, attends, on va le prendre en métal. Ouais, si tu veux body. Donc on a débloqué ce truc là en fait. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Bon en fait, je vous dis, hein, ce qu'il faut faire dans ce jeu là, c'est vraiment tuer un peu tout le monde, mais on va pas non plus mentir, c'est que j'ai eu chaud là. J'aurais pu tout simplement succomber à ce qui m'arrive. Je crois qu'il y en a un deuxième quelque part où il a déjà tué mon robot. On va voir si mon robot est très efficace. Je sais pas, je préfère le robot que le chien. Cartouche. Matériaux. Mâchoire humaine, si tu veux. Ouais, il les a tués, hein. Cartouche. Viande. Fusil. Je crois qu'il y a un mec là-bas, non? Alors là, je vais voir dans la soute de bagages... Ah ah, à ton avis, il y aura quoi? Non, casse pas ça. Casse pas ça. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais réussir à ouvrir? Attends, attends. C'est bon, c'est bon. Non, non, c'était bon. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Oh non. Eh, mais c'est sensible, ces trucs, hein. Oh, le monteur. Eh, vous avez vu, franchement, la marge. C'est quoi, ça?
Canne à pêche. J'en veux pas. Ça, c'est connerie, ça. Ça c'est connerie. T'as vu, Bouddhi, comment il parle? Ça, c'est connerie. Hein. Vive la langue, quoi. Mais je suis déjà passé, en fait, par là, moi. Il y a mes affaires qui sont restées, mais c'est trop kiffant, sincèrement. En fait, les mutants, ils reprennent possession de certains lieux. D'accord. Alors, moi, je devais tout simplement poursuivre mon chemin vers la zone pour trouver le détective. Donc, je vais essayer de le faire. Mais on va aller en douceur. Hein. Alors, maintenant, on va prendre peut-être le fusil à pompe, qui va pas me servir à grand-chose, mais bon. Donc ça, c'est une arme qui sert à rien. Laissez-moi juste le temps de refaire un petit peu, pas mes classes, mais plutôt d'équiper la grosse arme en question. Donc, la grosse arme, elle est où, en fait? Est-ce que j'ai des munitions? Ouais, c'est ça, ouais. Tu sers à rien, tu pèses lourd, et en plus, j'ai pas de munitions. Ah, fusée de détresse. Je sais pas si ça va tuer du monde, mais on va plutôt rigoler. C'est quoi ça? Donc après, pour ceux qui ont demandé, est-ce que je vais faire la potion là pour la sorcière là? Ben, bien sûr que oui. Ah oui, aussi pour certains qui me demandent d'utiliser le bouton celui-là. Je l'utilise pas pour l'instant parce que j'ai pas des bonnes armes. Ouais, bah j'ai remarqué, petit con, qu'elles sont hostiles les formes ici de vie. Hein. Tue-les. Voilà. Il y en a qui me demandent de jouer de cette façon, mais après le problème c'est que c'est super pas évident. Attends. Hop. Je peux pas. Moi tant pis. Hein. Il va me tuer. Ah bah j'ai complètement foiré mon truc. Hein. C'est quoi ça encore? Il y a un mutant là-bas qui vient d'apparaître? C'est quoi ce... Ah oui, c'est mon fumigène. Mais je suis idiot moi, sérieux. Je pensais en fait que ça allait lui faire des dégâts, mais ça fait rien. Oh là 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 là. J'adore ce robot. Il est... C'est un psychopathe. C'est un psychopathe, ce robot. Donc, il est beaucoup mieux que le chien. Il a quoi, le monsieur? Capsule. Ça, fusée, machin, là, je sais pas c'est quoi. C'est quoi? Je prends tout. De toute façon, après, si au pire des cas, j'ai... Eh, ta soeur. Eh, t'es lourd, toi. Oh là là. Oh là là. Eh, commence pas à me chier dessus, hein. Il est fou, il m'a chié dessus. Oh non, oh non, il y a quoi là-dedans? Il y a de la radiation quelque part. Ah bah tiens, il est qui là? On va se coucher un peu. Bah comme ça, on verra en fait dire le jour quoi. Je pense que c'est beaucoup plus agréable de jouer le jour que la nuit. Hein. En tout cas, c'est mon avis hein, personnel. Ah ouais, par contre, tu vas te faire cuire un œuf avec eux. Ouais, j'ai un téléphone. Alors, je vais vous montrer un truc qui va vraiment vous faire kiffer. En appuierons. Le tableau des aptitudes, c'est ça qu'il faut que je déverrouille certaines choses en fait ici. Je me suis permis d'améliorer bah, la dernière fois un truc pour recycler des matériaux plus intéressants, d'accord? Et après on va essayer de se débloquer ce truc là qui est très intéressant aussi, c'est des reins d'acier. Comme ça on pourra transporter un peu plus. Ouais ça va, j'ai encore un peu de poids. Alors mon petit iPod, il me dit qu'il faut partir de l'autre côté. Ouais, Bouddhi est vraiment à côté de la plaque aussi comme gars, mais c'est pas grave. Alors maintenant... Je vais traverser beaucoup de zones de radiation. On m'a aussi dit que l'important, c'est d'explorer beaucoup d'endroits sur la carte. Ça te permettrait tout simplement de pouvoir XP beaucoup plus facilement. Je détecte des formes de vie hostile. Attends, je vais tuer le clébard. Non, Bouddhi, c'est pas tiré. Oui, je vais lancer des assauts un peu sur tout le monde. Bon, il a tué le flingue, il a tué le chien, il a raison, il a raison. Les pillards, eh, mais ils sont vraiment installés partout. Tu sais, c'est à la base, c'est moi qui doit tout simplement esquiver leur attaque, mais c'est moi qui les attaque. Hein. En plus, il est moche, hein. Plutôt elle est le moche. Ce qui est bien, c'est que ce flingue-là, il est vraiment intéressant. Pour la raison suivante, c'est qu'il fait pas mal de dégâts. Bouddhi, avant d'aller... plus loin, observe s'il n'y a pas une autre personne qui est quelque part en train de camper. Ok. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est tout seul. Il y a juste les troupes napoléoniennes, ou plutôt britanniques, mais c'est tout. Bien, je t'adore, Grismo. Capsule, cartouche, spray, pistolet plus, en cuir, on s'en fiche. En cuir, ça sert à rien, en fait. Hein. Il est en train de faire le ménage ou quoi, là? Et tu qui là? Ah
Ouais, il est... Et j'adore ce robot, je te jure. Dommage qu'on peut pas le perfectionner un peu plus après. Eh, je te jure, c'était trop marrant. C'est trop beau pour être vrai, là. Là, je dirais que c'est bon. Cocktail. Grenade à fragmentation. Mine. J'adore. Là, on peut se coucher. Ah, bon, de petits vénards. Hein. Merci, mon pote. Je sens qu'on va encore se bagarrer. Je prends toutes sortes de potions, mais plus tard je les améliorerai en conséquence. Je pense que le mieux c'est que je sauvegarde ici au cas où je suis attaqué un peu plus loin. Tu sais, je pense que je vais essayer d'aller en objectif, mais en explorant un petit peu certains environs. Merde. Par contre, je suis vraiment pas bon dans le snipe. Ta maman, elle m'a tué. Il est pas sérieux. Je me suis pris une roquette, quoi. Heureusement que j'ai sauvegardé, quoi. Et m'a lancé, en fait, un truc de salopard. Attends, elle va encore me le mettre. Regarde, elle va encore me lancer la bombe nucléaire. Eh, hey, tu vas te calmer, hein. Eh, hey, c'est quand qu'elle sort sa tête? Viens dire bon. Ah, t'es là. Elle préfère sortir son cul. Salut, t'es morte. Aïe, 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 aïe. Putain, c'est des bombes nucléaires qui lâchent, quoi. Franchement, je vais tirer en pleine tête sans le vouloir. J'observe parce qu'ils sont pas, à mon avis, ils sont pas que deux dans ce campement. Si j'étais... Oh là là, il y a une tourelle bizarre là, quelque part. Elle est où, la tourelle? Si j'étais un pillard, comment je procéderais pour pouvoir lancer un assaut sans faire tuer dessus? Je regarde, je vais la jouer très malin quand même. Hein. Vous avez vu quand même qu'au début, j'avais du mal, maintenant, on commence à se faire plaisir. Hein. Prends ton temps, Bodhi, t'es pas pressé de toute façon. Moi, je remarque un truc, c'est plus tu veux te précipiter, plus tu fais de la merde. Adios, la tourelle. Il doit en rester encore un. Avance prudemment. J'ai pas envie de me prendre encore un missile prédateur dans la gueule. En tout cas, il a l'air intéressant, leur champ, ici. J'observe s'il n'y a pas d'autres petits malins qui risquent de me tomber sur tout de suite. Bah tiens, j'avais raison. Tu vois, j'avais raison de pas vouloir trop me précipiter. Ah non, il est là en fait, le mec. Et moi, je tire sur le robot. Ah, c'est les deux en fait qui sont présents. Ouais, ok, d'accord. Si tu veux. Ah, le robot, il... Ah oui, le robot, il est aussi actif. Mais merde. Les deux sont actifs en fait. Hein. Par contre, c'est super chiant de viser avec un sniper comme ça. Parce que le temps que je le neutralise, ça va en mettre au moins 15 cartouches. Non, le robot, je ne le laisse pas s'occuper. Il est trop marrant, lui. Le robot s'en occuper. En plus, il se fout de ma gueule, hein, ce petit malin. Il s'y fiche de moi, quand même. Hein. Ouais, c'est exact. T'as raison. Alors, franchement, on commence à être à court de... De munitions. Je reste qu'il me contourne pas surtout. Et après, plus tard, j'irai fouiller les corps. On l'a presque abattu. Je pense qu'avec 3 balles, on n'aura pas assez, mais bon. Qui tente à rien, n'a rien. Sois un bon tireur d'élite, s'il te plaît. Non, je pense pas que là, on va réussir, mais je sais de quelle arme après prendre celle avec le truc où tu tournes. Voilà, j'ai réussi. N'oubliez pas qu'il y en avait un quelque part. Où est-ce qu'il a pu se planquer, ce petit malin? Je savais pas que les pillards, en fait, avaient aussi des campements comme ça. Je crois que j'ai tué tout le monde, en fait. Bon, pas tout le monde, mais une bonne petite partie. C'est un flingue légendaire, ça, ou pas? De toute façon, on le prend, on verra. Donc ça... La combe machin, masque à gaz plus. Moi je prends plus maintenant les trucs comme ça. Donc moi les amis, je pense que avant de partir un peu plus loin, on va essayer tout simplement de faire une petite pause ici.
Je suis vraiment désolé pour ces 15 minutes à la noix. Ça coupe un petit peu dans le délire, mais dès qu'on n'a pas le choix, malheureusement, mieux vaut ça que rien du tout. À tout à l'heure, bisous.